Salut Jean Cesslan, on se retrouve sur Total War Saga 3 et c'est un nouveau tour. On va commencer par faire notre première attaque directement sur la ville. Il est déjà en train de se refaire. Allez, on va faire l'attaque. Alors, une bataille très spécifique, puisque dans la ville il n'y a personne, mais que derrière Tlawa à 1129 hommes et que nous on est sacrément endommagés. Ça va pas être une bataille facile. Pour autant les chars même endommagés, ça peut faire le taf. Et la stratégie est simple, on cache tout et on balance les chars. Allez, on est parti. On arrose. Alors pourquoi on est venu arroser ici? Parce qu'il y a très peu de finalement de lanceurs. Hein. Et finalement il a laissé son héros au contact. Alors évidemment, hein, le héros ça fait mal. Mais si on arrive à le descendre. Si on arrive à lui faire du mal, à le mettre en déroute, voire à le tuer. Et ben ça sera plus facile. Du coup on insiste dessus. On insiste. Et pendant ce temps-là, eh ben on s'approche ici. Finalement, on se fait accueillir par tout un tas de projectiles. Et le mieux, c'est de se replier. Au moins, ça évite que les troupes qui soient là s'en aillent ailleurs. Voilà le deuxième héros. Alors lui, par contre, c'est un guerrier. On fait des charges, hein, pour essayer de le démoraliser. Et ça marche. L'autre héros est toujours pas fini. Du coup, pendant qu'on tape celui-là, on tire sur celui-là. On va essayer d'éviter de se faire. Oh, regardez-moi ça, on lui a presque rien fait finalement. Et nous, on commence à être bien fatigués. Du coup, changement de stratégie. On va contourner. On lance un assaut ici. On charge, on pousse. Et pendant ce temps-là, surtout, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de contourner. On s'est fait bloquer. On s'est fait bloquer par les lanciers et ça c'est vraiment pas bon. Le héros arrive derrière. On prend cher. Hein. On prend très cher. Là il faut reculer. Hein. À mon avis, je suis concentré sur l'autre bataille. Tout content que ça se passe bien. Pensant que mes chars allaient passer. Et mes chars ne sont pas passés, loin de là. Allez, allez, il faut qu'il recule là. Merci. Ouais, bon, bah, c'est une déroute. C'est douloureux comme bataille, hein. Parce que là aussi, j'ai du mal à passer. Vous avez perdu une unité. Allez, là on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Ça y est, là ça lâche. Ça commence à flancher. On repasse avec nos chars ici. Et on se fait à nouveau arroser. Du coup, on recule. Et on recharge. Une de vos unités n'a plus de munitions. Allez, ça y est. Pendant ce temps-là, ici, on a réussi à passer. C'est nous maintenant qui harcelons. Enfin, il ne nous reste pas grand-chose ici, hein. Nos unités là sont parties se mettre de côté pour se reposer. C'est une bataille douloureuse, hein. Après, on savait, hein. C'est pas notre héros principal. On savait que son équipe n'est pas aussi forte que l'armée principale. Allez. Aïe, aïe, aïe. Allez, Javigné, ça tanque un peu, mais pas plus que ça quand même, hein. Au bout d'un moment, ça se lasse. Allez. On a quand même notre héros hein, qui fait le passage. Là, on a quelques chars qui finalement continuent à pousser. Voilà, on met en déroute et surtout ce qu'on veut faire, c'est taper sur ce qui reste sauf le héros. Voilà, allez, on fonce là-dessus. C'est une victoire très douloureuse. On est obligé de finir avec des grammes d'unités.
On a replié pas mal de troupes endommagées derrière pour éviter qu'elles meurent. Même là, on est obligé de se replier. Il nous reste finalement plus que notre héros et ses trois petits chars que j'utilise pour les sacrifier éventuellement. Voilà. Ça y est, c'est fini. Vous emparer du point de victoire. Il reste maintenant le duel final. Et normalement, contre un général de garnison, ça passe. Le problème, c'est que c'est pas un général de garnison. Si, ça y est, il a perdu une morale. Waouh! Waouh, c'était plus que laborieux et tendu. Ouch, la colonne. Bon, les animations, c'est bien beau ça, mais il y en a que 3 ou 4. Hein. On voit toujours les mêmes. Hein. Clairement, on va piller. My reputation grows. On a trouvé les harpies. On a trouvé les harpies et j'aimerais bien en recruter. Là on peut pas. On peut pas. Oh là là. On va voir. Bien. Est-ce que t'as pris un level toi déjà pour commencer? Ah, quand même, compétence. On se trompe pas. Alerte. Eh ben, tu vas revenir ici prochainement. Ensuite. Eh bien, où qu'il est le chef? Il va venir ici. T'es à 19, tu peux recruter un truc. Vous avez déjà... Ouais, il en reste 0. Limite de faction 2. Bah tu... Viens là, viens donc là. On va recruter quelque chose. Elle reste pas dans le rouge. Voilà. Et viens là au prochain tour. Ensuite ici. Mes accords. Médibé. Ouh, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Ok, 2000. Parfait. As you say. Minoa, Perret, Métine. I will not be easily persuaded. 700. 680. La bonne thèse. If King Sarpedon wants to talk, I'll listen. Parfait. On n'a rien à faire ici. Ensuite. Donc, Minoa. On est d'accord qu'on n'a pas de relation avec toi. Donc, si on t'attaque, c'est dans 4 tours. Toi, ça sera beaucoup plus tard. Don't make me regret listening to you. Ça sera dans 10 tours. Quoi d'autre? Eurymédée? Ah. T'es sur la fin, je te préviens, Eurymédée. Viens ici ensuite. Ça va être long. Asteria, faut remonter dans la vallée. Jusqu'ici.
Donc bon, ça va être un tout petit peu long, quoi. Même jusque-là. Parfait. Alors, on a assez pour construire un Rod. Rod, ici, c'est une tour. Et ici, c'est ça. Le Rimédé. Ben, tu vas avoir le plus du pourcentage. Alors, disponible à Sibratis, ben, on va mettre... Hop. Tu vas prendre... ça, tu vas détruire. Hop. Ça, c'est de la croissance. Ouais, allez, on n'est pas pressé pour ça. Nyalakos, Alicarnas. Alors on est bien. Celui avec le bois, tiens. C'est pas le bon, ça. Hein. C'est petit tapioca qui devrait être là. Donc, c'est quoi ça? Pourquoi on a un temple de Posidon là? Apollon non, Hera non, Athéna, Alicarnas, ça pourrait être Zeus. Merci. Et puis pourquoi pas, on pourrait monter là. Où on en est? Ici, normalement, on met. Ah bah non, ici on met le temple. Donc, pas de temple. De Poséidon, il va pas être content. Apollon, il est pas si haut que ça. Mais ça va suffire. Aphrodite, hécatombe, prière. Voilà, comme ça on a plus de relations avec tout le monde. Bien. Alors, Menutès. T'es dans le mal, t'es tellement dans le mal. T'as détruit la ville et ça ne servit à rien du tout. Tu peux recruter quelqu'un ou pas? Tu peux recruter ça. Ben, on est ravis. Pas sûr que ça change quelque chose là-bas. On va aller voir là-bas tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, les Amazones ont mis un terme au pacte de non-agression. Ça sent pas très bon. Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne vite, hein, avec mon héros. On va laisser tomber les prises des territoires, là. Oh non, on a 10 tours. J'ai le temps de faire le premier, j'ai pas le temps de faire l'autre. Pacte de non-agression, je pense que Perret, on s'est mal compris. Sur mes projets. Autoriser le commerce à acheter leurs articles. C'est les vendeurs d'étain. Des marchands de terres lointaines demandent l'autorisation de commercer au sein des frontières de votre royaume. Ils vendent de l'étain, un composant rare mais essentiel à la fabrication du bronze. Alors, don d'étain. On a 300 de bronze plus 15% pour un tour. En gros, 300 bronze. Ou 300 de nourriture par tour pendant 4 tours. 50 or par tour pendant 4 tours. Bah déjà là, c'est bon. Puis de la pierre, puis du bois et moins d'influence par contre. Pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Une crise de rage incontrôlée sans aucun doute suscitée par un arrêt sans personne. Une bagarre s'est déclenchée dans l'armée. Le héros est blessé. Faction détruite à Athènes. La rébellion est imminente, quoi? En Sibratis? Non, pourquoi? Comment ça peut? Mince! Il faut que je remonte m'en occuper. C'est jouable. C'est juste à côté. C'est jouable. C'est la vie. On en a d'autres là qui vont être... Ouh, Ismos. 74 changements par tour, moins 1. Je m'en occupe pas. Ok. Pour l'instant, je m'occupe pas des autres.
On a 983 de nourriture. On est vraiment bien. Décrets royaux. Ici, on aura moins 8% de coût de construction de tous les bâtiments civils. Érimidé. Astéria. Toi. Toi, tu vas augmenter le bonheur et tu vas récupérer des trucs qui donnent du bonheur. Le chapeau, la chamide et la pétasse. Ensuite, Sarpéton. Ouais, je sais, c'est Sarpédon. C'est kiff-kiff, hein, avouez. Ok, le simple fait qu'il soit là, c'est plus 3, et après, ça va remonter un petit peu. Mais il va rechanger au prochain tour, lui, hein, par contre. Évidemment. Ça serait trop facile, sinon. C'est pas son job, ça. D'abord, c'est ici. C'est là qu'on bosse. Et là, on est bien. Est-ce qu'on est bien au niveau du bonheur et du moral? On n'est pas encore bien au niveau du bonheur. On n'est pas bien au niveau de l'influence. Hein. Et c'est normal parce qu'on a du moins 4, on a du moins 4, mais là, on va encore gagner un petit peu. L'influence, on a un malus provisoire. Le temple de Poséidon. Ok, bon. Ensuite, ici, Halicarnasse. On a dit qu'on voulait un temple de Zeus. Ce serait bien de le faire. C'est là, Zeus. Toc. Ah, et là, ça, c'est de la construction. La construction de méga ressources. Il nous faut des pierres. Donc, on a dépensé toutes nos pierres sûrement pour faire le temple. Donc, toi, tu es presque arrivé ici. Tu restes ici pour contrer les effets. De toute façon, il faut que tu recharges. Tu pourrais peut-être recruter un truc ici. Ouais, de toute façon, pour on en est. Hein. Faudra aller faire l'autre après. La diplomatie. Accord rapide. Ok, les Macédons. Tu me proposes quoi, toi? Un petit peu de pierre, j'aimerais bien de pierre. Voilà, puis du bois pour aller 600. Plus. Hein. 767, 9, 8, 770. Waouh. Indeed, bon, sir. On a eu de la pierre, on a eu du bois. Suivant. Les bottiens, bien sûr. On n'aura pas de pierre. On n'a pas besoin du reste. Donc le bois, allez, tu vas me donner 900, toi. Oh, beaucoup plus. 1200. 10. 18. 22. 20. Acknowledge. Hop là, les doriens. I hope this will be a productive discussion. Il n'y a toujours pas de pierre. 1200. Un petit peu plus. 2050 bois. On va pas cracher dessus. Minoa et Péré, malheureusement, ça ne va pas être possible. Ah, Dolopi, tu veux un passage? Bah, de la pierre. Voilà, 460. Voilà. Ok, ça c'est un bâtiment spécial, on n'a vraiment rien à faire. On est vraiment sur Halicarnasse maintenant. C'est-à-dire pas ici. Le problème c'est qu'il faudrait faire les croissances à chaque fois qu'on me les propose. Rod,
Carnasse. Alors là, c'est spécial parce que là, normalement, on a nos. On est dans une zone de combat ici. Je suis censé avoir mes géants. Voilà. Et mon temple d'Arès ici. Non, non, supprime pas, je vais avoir besoin des espions. Ça me fait penser qu'ici, est-ce que j'ai fait suffisamment de trucs d'espions? Ouais, dans un tour, c'est bon. Niveau 2. Donc au prochain tour, normalement, on peut recruter. Déjà, là, on doit pouvoir recruter des trucs cool. 12 pour les émissaires. 15 pour eux, donc ça fera 20. Ça fera 12, 17. Et l'agent épique. Ça m'étonnerait qu'on y ait. Oh, Cléopâtre, c'est mignon comme tout. Gorgone. J'aime pas les Gorgones. Très bon. On n'a plus rien ici. Donc, ici, normalement, c'est pareil, c'est fini. Allez, on passe le tour. Qui est-ce qui a mis un pacte? Sparte! Oh, c'est pas bon. Ouh, les pirates aussi. Confédération Dardanie et Paris de Troie. C'est pas vrai. Ah, il va devenir énorme. C'est Dardanie. Oi, oi, oi. Ça y est, les Amazones sont cernées maintenant. Il y a une ville ici que je vois pas, mais les Amazones sont coincées. Assez bizarrement, Asie a tenu le coup. Donc Amazon, il prévoit de m'attaquer, hein. Il va falloir que je me prépare au combat. Ok, ici, on va prendre des pierres pour commencer. Là, ici, 91. On vient ici, et c'est la fête. C'est la fête. Une prêtresse. 24 heures, j'ai pas 24 heures. D'accord, oublions tout ça. Allons chercher un petit peu d'or. Les épirotes. Vous avez 20 heures. Voilà. Et après, c'est 800 de bois. 770, 760. 5. Ensuite ici. D'accord, Minoa Péré. Les Béoutiens, ils veulent absolument passer. Vous avez 20 or, c'est super. On va avoir un problème d'or pour acheter des trucs. Je le crois même pas. La confiance est à moins 11, c'est pas si mal. 700. Mille dix, quatre-vingt-dix, mille soixante-dix, 1060, 1050, 45. Now that's la confédération, c'est pas gagné. Moi, même pas. Peut-être parce que j'attaque un tout petit peu trop. Bon. De toute façon, on n'attaquera pas là tant qu'on n'aura pas ça. Ici, il va refaire quoi? Moins 6 encore? Ouais, donc grosso modo, on fait apparaître les prêtresses. On a déjà le nombre maximal. Clairement pas. C'est pas de prêtresses qu'il me faut. Ok. Poubelle.
My steps are sure. I cannot do this. No mortal could. My abilities do not extend to this. Ouais, on peut passer là. J'aurais su. Ça aurait été chouette. Très bien. Donc, toi, tu vas recruter une prêtresse. Une prêtresse de Athéna. Arès, Arès, Poséidon, c'est très bien. Aphrodite, c'est encore mieux. Une prêtresse d'Aphrodite. Niveau 20. Première compétence qu'on va lui prendre, c'est ici, plus 2 au recrutement des agents dans la province. Nous allons maintenant recruter une prêtresse. Niveau 20. Et un espion niveau 17. Donc ça n'a pas encore agi. On va donc attendre le prochain tour. Le problème, c'est que toi, tu vas aller remonter le moral là-bas. Voilà. Première prêtresse. Il faut qu'elle reste passif pour la sagesse. Bon, on va pouvoir lui donner d'autres compétences, quoi qu'il arrive. Hop, plus 10% en faveur. Plus 30% en faveur. Et immortel. Hein, ça peut pas faire de mal. 20% en faveur tous les dieux issus des rituels des colonies possédées. Donc là, c'est pareil. Hein, assidu, les points d'action de cette agence sont pas retirés si une action échoue. Non, moi je préfère les points de faveur. Moins 20% au coût de construction de tous les bâtiments religieux dans la région. C'est pas formidable. Hein. Ici, plus 100 expérience de l'armée due à la présence de la prêtresse. Non. Plus 16% de déplacement. Moins 20% au coût d'action. Et ici, plus au bonheur dans la province. Ou plus 20% de chance de succès d'action. Non, c'est le bonheur. Moins 10% de chance, plus 1% de chance de succès critique des actions des agents. Hop. Ici, 20% de chance de succès de l'agent tragique. Plus issu de bons présages, issu des sacrifices. Quand c'est dans une armée. C'est tout pourri. Faveur tous les dieux, issu des rituels des colonies possédées. Et puis, moins 20% au coût d'action, plus 16% à portée au déplacement. Service d'Aphrodite. Toi, t'es la prêtresse d'Aphrodite, hein. Fidèle, plus en bonheur dans la province. Oh. Ouais. Moins 10% de chance de succès, plus 10 de critique. On connaît. 10% de chance de succès. Dans les deux cas, on s'en fiche de tout ça. On a encore deux points qui ne servent déjà à rien, quoi. Ah, héros pour la peine. Non, tout ça, on s'en fiche. Messagère des dieux ou porte-parole du divin. Tragique prophétie. Qu'une prêtresse personne un espion de partir. Un émissaire de partir. Morale de tous les ennemis. À quantité d'or suite à une action réussie contre une armée ennemie. Ah, pas terrible. Allez, où? On va essayer de chasser quoi, les prêtresses, hein, non, les espions. Ou les émissaires. Ouf, les émissaires. De toute façon, on s'en fiche, tout ça, c'est des trucs qui nous intéressent plus, en fait. Hein. On est déjà au niveau 20. Quand elle fait une prière, on peut pas le faire, là. Faudra qu'elle reste immobile. Pour avoir le 22. Et le 19 pour les autres. Décrets royaux, on va voir notre pierre, ça va nous faire du bien, on sera à 700, 1800, toi tu régénères, ici, c'est à la maison, voilà là-bas, on peut toujours pas le ripper, hein. Ah si, c'est qui ça? C'est Dionysas, on est d'accord. 10 tours. On a le temps. Hein. 2 tours. Donc au prochain tour, on peut décoller.
Ok, des accords rapides. Minois, Perret, Mélibé. Ça va pas être terrible ça. Ah, il a beaucoup de bois quand même. 800 pour si peu. Non, ça m'a étonné. C'est de la pierre de toute façon qu'il me faut. On va faire 50. Voilà. Ensuite. C'est qui ça? Noagria. Et ça, c'est Abantes, non? Ouais, Abantes. Et ça derrière, c'est Abantes. Tout ça, c'est Abantes. Ok, est-ce le tout petit là? C'est Itak. Ok, vous n'êtes pas très gros en fait ici. Par rapport à chez nous, donc ça y est, il y a trois badass. Vous, vous êtes tout petit, Rikiki. Ok, et ben nous, on va s'arrêter là, normalement, au prochain tour. Donc ça y est, on a notre première prêtresse d'Aphrodite, niveau 20. Alors, normalement, Aphrodite, je vais la mettre là-bas, je pense. Hein. Ici, dès que possible. On est à combien ici, là? 333%, c'est très très bien, ça me va bien, ça suffit pour moi. Un tour. Bon, il y a encore des trucs à 3 tours, mais... en plus, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Les trucs de combat. On aura celui-ci, hein, moins un au temps de construction de tous les bâtiments civils, on va le prendre. Hein. Puis après, on ira chercher tout ça. On va finir tout ça, de toute façon, là, en premier. Ouais, on va finir tout ça. La vitesse des armées, peut-être, je pourrais le prendre en premier, là. Ouais, je vais prendre celui-ci juste après. Parce qu'il est pas mal, la vitesse de bataille. Non, c'est la vitesse de bataille. Et portée de déplacement des armées. Ah ouais. On va finir tout ça et après on viendra faire ça. Ce qui est utile. Et ça aussi. Toute cette zone-là nous sera utile. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.